Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce vol cet après-midi entre Paris et Munich. Donc vous avez donc entendu avant tout ça la musique donc de l'Euro 2020 donc qui va rythmer donc notre été. Pour cet Euro 2020, on part pour Munich cet après-midi. Donc on a eu un plantage à l'arrivée de Munich, on est obligé de tout refaire hélas malheureusement. Donc voilà. Donc on va faire ça, ça, voilà, okay. Ça, ça, alors comme il y a des emmerdeurs qui jugent nos capacités, on va respecter donc les checklists, donc ça, 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 la pluie vient de s'allumer, c'est parfait, nouveau folder. Ça, 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 je vais faire service interphone. Ça, 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 je vais faire. Hop. Ok. Ok. Alors, j'espère que ça marche. Yes, ça marche. On va démarrer là. Alors, démarrage du 1. De démarre. Je suis en 4 FPS. Paris, démarrage 2. Non, c'est parfait. On va se mettre sur 122,8. Fréquence de l'école internationale. Voilà. C'est parfait. On va se mettre sur. Fax. C'est parfait. Et ça sera tant de mètres, 26 droites. On est par Roméo Tango, 26 droites.
traffic. Oops. Do go traffic speed of 1787. Taxi to bond mate 26. Right, yeah, thank you, Niner. Message. Alors, notification. D'accord, c'est mieux. C'est mieux parce que j'avais plus de messages à l'intérieur du simulateur. On est sur le pilote, on a plus de messages. T'es sur une ICOM, qu'est-ce que tu racontes? Arrête le Air France 1649. C'est quoi ça? C'est quoi ces gens qui savent pas communiquer sur une ICOM? À un moment donné, une ICOM, ça sert à donner tes intentions, garçon. Hein, ça, bah, je vais, mais. Faut être un temps soit peu professionnel hein, dans la vie. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, mais. Mais les gars, enfin, putain. Hey, il faut savoir lire et comprendre. Bah. Rien que maintenant, ça a été pas en bonne fréquence. Bah si, juste là. Ça, c'est ceux qui. Vous savez, c'est ceux qui respectent les professionnels. Vous savez, ceux qui respectent rien. Mais ça va, non, t'es pas sur la bonne fréquence. Alors que l'école, il sert à communiquer. Mais c'est pas grave. Allez, on roule par Roméo, Tango et Tango 9, 26 droite. Vous savez, c'est comme ceux aussi qui passent au Packers MP alors qu'ils connaissent aucune règle. Et c'est les premiers qui vont venir chouiner parce que ils savent pas pourquoi ils sont battus. Vous savez, c'est. Je fais ça et je. Physics 5168, line up and take off runway 09 right. 09 droite. Mais t'es pas en 09, c'était en. T'es en. Mais pourquoi il décolle en sens opposé lui? What? FedEx 1640. FedEx 5168. FedEx 1568, do you take off? Absolutely, sir. Okay. Any problem for you? Negative. We just to line up on my 26 right. Roger. Try to go to traffic, people 1787. Line up and take off on my 26 right. Allez, 4-7. Pourtant, il était pas dans le bon axe. Je vais rien dire. Hey, tu m'as checked. V1. Positive climb, gear up. Shotgun traffic, speed 1787, passing 4000 and climbing.
pas. J'accepte. Autopilot on. Au milieu et je suis normalement bon. Alors engine green on, tax auto positive, je les ai vérifiés, engine star switch continue, flap stop light, linger top et altimeter anti-air one quick after takeoff after 18,000. Là, c'est parfait. Alors, pendant ce temps-là, moi je vais modifier ça. Et bah, qui gagne. Ben, oui. Hop, hop. Ok, je suis parfait. Alors par contre, le FedEx 5169, il n'était pas du tout dans le bon sens. Hein. Les 09, c'est tu décolles jamais de la 09 dans le sens. On est sur du vent orientable aux 330 degrés à 4 nœuds. C'est du jamais derrière. Alors les bords, je les élimine. Voilà, comme ça, je sais le bord. Alors oui, petite information aussi, parce que j'ai entendu des conneries pendant les 3 semaines. Il y en a qui disaient... Alors par contre, hop, ça je vais l'éteindre. Il y en a qui disaient, en gros, que les packs que vous voyez ici servaient à réchauffer les moteurs et les nacelles et à l'intérieur de la cabine. Alors non, alors en fait, ils montent à l'intérieur de la cabine. Maintenant qu'on passe à 18 000, comme ça je vous montrerai dans un instant. Là j'ai un peu peur. En fait ici, si vous pouvez, ici... Vous avez donc la clé, la partie des packs, c'est tout ça, d'accord. Et ici, vous avez la partie climatisation. Donc là, par exemple, ça en auto. Donc là, vous faites chaud, vous pouvez mettre un col. Voilà. Et voilà, comme ça, on est bon. Et donc là, on passe à Active Phase. Voilà, standard. Et donc, en fait, ici, si vous regardez, comme je disais, ici, vous avez donc la climatisation, les packs, d'accord. Vous avez ici les pompes hydrauliques, vous avez ici le fuel, vous avez ici tout ce qui est l'électricité. Donc ici on monte à 37 000, c'est 5 000 la ligne altitude à MIC, d'accord. Et donc en fait ici on va se mettre sur le générateur 1 par contre, ça c'est que, ça c'est bon. Et donc en fait là si vous voulez, les packs n'ont jamais servi à réchauffer l'intérieur de la cabine, c'est complètement faux, même les moteurs nacelles, d'accord. Quand on ne sait pas piloter un 737,
Attention un peu, on réfléchit deux minutes avant de sortir des conneries. Mais bon, les mecs qui savent pas piloter, c'est pas vraiment de leur faute. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, quand on est con, hein. Quand on peut pas réfléchir, et ben on peut pas réfléchir, hein. Mais bon, écoutez, c'est hélas bien dommage. Et pour les personnes qui critiquent ma chaîne et qui en plus sont jaloux de mes capacités de pilotage, et ben voilà. Enfin bon. Voilà, voilà, oui, bah écoutez, pour faire le point donc de tout ça, aujourd'hui donc on vole avec un nouveau PC, donc c'est un MSI, donc Intel Core i7 de 11e génération avec une carte Nvidia RTX 3070 et avec donc, 255 Go de SSD et 1 Tera donc en HDD directement, donc le disque dur interne. C'est à peu près les mêmes capacités que d'autres PC, mais avec une carte graphique un petit peu plus meilleure. Voyez, voilà, et sur ce, on se retrouve donc à l'arrivée. Je vous dis à tout à l'heure. Salut tout le monde. Eh bien, rebonjour tout le monde. Ça y est, nous arrivons sur notre lieu de destination, München, Munich, où notre premier match de l'UEFA Euro 2020 aura lieu le 18 juin dans notre groupe F. À vivre en intégralité sur TF1. Je vous rappelle notre groupe, la France, le Portugal, la Hongrie, ainsi que l'Allemagne. Le premier match qui aura lieu donc à München, à Munich, là où nous allons justement atterrir à Munich. Dans quelques instants. La 08 est gauche et on voit donc le stade de l'Allianz Arena Riviera. Allianz Arena, là où aura lieu donc le match de football unique. Très beau stade. Arrive à Munich. On va commencer à tourner. Attention, traffic speed 1787, final approach 1 Macy right left. Pas les emmerdeurs, que ce soit pas Yann ou je ne sais qui, qui va nous emmerder, ça peut arriver. Moi je verrai que n'a pas été faite. 4134. Là. Je vais le 4,80. 160. Et glace. Mention traffic people 1787, establish 1 Maisie 8 left.
parfait. 08 gauche. Et nous voilà à Munich. En approche de Munich. On est passé devant le stade de football de l'Allianz Arena, là où jouera l'équipe de France de football. Check case engine start switch continue altimeter screen H 101 liter mapping to read big plate. L'APU est allumée. Ici ça va pas, c'est 5000 dans l'axe. Ok. Pas les emmerdeurs, ça peut arriver, mais pas espérer. C'est pour ça que je vais aller me connecter tout de suite avec mon téléphone sur l'application de SimAware, sur votre sim, voir ce qui se passe. Oh, la qualité graphique est malade sur la Nvidia GeForce RTX 3060, c'est un régal. Bienvenue à Munich, en Allemagne, mesdames et messieurs, il est 17h10 en heure locale. On va retourner là.
Fayano et Enzo, des 8, se sont donc calmés. C'est une très bonne nouvelle pour nous d'ailleurs. On a dit, ils ont dû se faire sanctionner par Truckers MP. Alors oui, il y a un certain qui me posait la question, qu'est-ce qu'est Truckers MP? En fait, je vous explique. Truckers MP, c'est ça fait donc partie donc, de TS2, donc pour ceux qui ont TS2 et qui l'ont acheté, en fait, ça fait partie de Truck Simulator 2, donc Truckers MP est le support en ligne pour jouer avec, d'accord. Et donc, comme Monsieur Payano et Enzo ont déjà reçu 3 avertissements pour conduite dangereuse et pour bannissement, et eh bien, ces personnes se sont fait bannir du fait que, bien, elles faisaient n'importe quoi sur... ETS2, voilà. Il y a bien. Je vais essayer de connecter là. Ça a l'air. Bon, c'est les avions statiques. Parking brakes set. Ça c'est bon. Brancher sur l'API. Ça c'est tout good. Ensuite, donc là c'est it's too good. Ensuite, j'éteins donc sur l'overhead panel. Donc ça c'est bien sûr off. Ça c'est bien sûr off. Ça c'est bien sûr off. Je suis parfaitement d'accord. Ça. Ok. Ensuite, j'éteins la batterie. J'éteins ça. Et j'éteins les emergency lights.
voilà, et donc bienvenue donc à München, Munich. Pour le début de cet Euro 2020, qui a été décalé suite à la crise Covid. Et donc j'espère que ce vol donc, vous aura plu. Et bien bah, sur ce, je vais vous souhaiter donc à tous un très bon Euro 2020. En espérant que tout se passe bien. Bon courage pour l'équipe de France, bon courage pour les premiers qui vont démarrer vendredi. Donc pour pour le premier match de cet Euro 2020. Et puis rendez-vous quant à nous vendredi 20h35 pour la cérémonie d'ouverture en direct sur TF1. Pour ceux qui vont voir cet Euro du 11 juin au 11 juillet, un grand merci à vous tous. Et puis bah, j'espère que les vols reprendront très bientôt. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux. Et bien voilà ce petit cadeau de début. Avant le début de l'Euro 2020, il me reste qu'à moi que vous souhaiter une agréable fin de journée. Et puis on se retrouve quant à nous, eh bien début juillet pour la suite de nos vols. Et puis exceptionnellement vers le 21 juin pour l'événement entre Paris et Montréal lors du Cross the Bond Night. Salut tout le monde et bon après-midi. Bye bye.